Good morning, allez, Yidan et Tusra aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman ici ben Aouda, Sarah Batran Rachel Shlomo ben Esther et Richa Batrim Nechemia. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah pour débuter 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Bet, Mishnah Dalet. Keitzad Karav Hamatir Kemizvato. Shachad Bishtika Kibel Veilech Vezarak Chutz Lizmano. Oh, She Shachad Chutz Lizmano Kibel Veilech Vezarak Bishtika. או ששחט וקיבל וילך וזרק חוץ לזמנו. זהו שקרה ומתיר כמצוותו. כיצד לא קרה ומתיר כמצוותו? שחט חוץ למקומו, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו, קיבל וילך וזרק חוץ למקומו. או ששחט קיבל וילך וזרק חוץ למקומו. הפסח והחטאת ששחטן שלו לישמן, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו, קיבל וילך וזרק שלו לשמן. או ששחט וקיבל וילך וזרק שלו לשמן. זהו שלא קרה ומתיר כמצוותו. Bon, mais ce n'est pas compliqué. Faut juste se rappeler de quelques principes qu'on a déjà introduits. D'abord, un principe général sur tous les corbanotes. Quatre avodot dans le corban. Quatre actions que le Kohen fait pour offrir le korban qui sont essentielles, que par elles, on s'acquitte du devoir d'apporter un korban, même si après coup, l'animal offert va devenir inapte à la consommation pour X ou Y raison, c'est pas grave. Dès qu'on a fait ces quatre avodot qui sont Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika, on égorge l'animal, on récupère son sang, on le réceptionne, on l'apporte sur le Mizbeach et on le verse. Si j'ai apporté mon korban Pessah, mon korban Pessah, le vendredi après-midi du 14 Nissan, j'apporte mon korban Pessah, le Kohen a égorgé, a réceptionné le sang, il a apporté sur le Mizbeach, il l'a versé. Si après je suis à peine sorti du Beit HaMikdash que quelqu'un il a rendu, ou même dans l'enceinte même de la Hazara, quelqu'un a impurifié mon korban, je me suis acquitté de mon devoir d'apporter le korban Pessah, je l'ai égorgé. Même s'il n'y aurait rien à manger pour ce soir, j'ai accompli mon devoir. Pourquoi? Parce qu'on a fait ces quatre avodot, Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. C'est les quatre avodot essentiels pour s'acquitter du devoir d'apporter un korban. D'accord? Ça, on le met de côté maintenant. On revient sur l'histoire du pigoul qu'on a introduit depuis la Mishnah Bet. Lorsque j'apporte un korban qui devient inapte à la consommation, on a fait une erreur, on l'a mal apporté, on s'est trompé. Alors le korban, il va être pasoul, inapte, juste simplement inapte. Et il va falloir le détruire, on va le brûler, il ne pourra plus monter au Mizbeach, en général, et puis c'est tout. Celui qui va consommer cette viande va transgresser un interdit de la Torah, mais pas un interdit de karet. Il y en a un seul qui fait une seule cause pour laquelle le korban devient inapte, pour laquelle on sera passible d'un karet, c'est si on l'a fait pigoul, répugné. La traduction c'est répugné. Les fagel, c'est dire répugné. Donc, on l'a apporté en pigoul, c'est-à-dire, concrètement, on l'a apporté chutz lizmano. C'est-à-dire, chaque korban a une durée limitée pour le consommer, pour verser son sang sur le misbéach, pour brûler les mourim. Il y a plusieurs, ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente. Alors, si on a eu l'intention de faire une de ces choses-là, une de ces consommations, le faire chutz lizmano, au-delà du temps prévu par la Torah, il devient pigoul. Exemple, le Korban Pessah, par exemple, on doit le manger nécessairement durant la nuit du 15 Nissan. Jusqu'au petit matin, Rami m'ont fait une takana de finir avant Khatsot, d'où la nécessité de finir de manger le Fikoman avant Khatsot. En zécher la Korban Pessah. Avant Khatsot, il faut finir de manger le Korban. Donc on a toute une nuit pour consommer le Korban. Si, lorsque j'égorge le Korban, je pense que je mangerai le reste aussi le lendemain matin, après le lever du jour, alors le korban sera devenu pigoul. Il sera impropre à la consommation, il faudra aller le détruire, j'aurai encore mon devoir d'apporter un autre korban Pessah à la place. Et si toutefois quelqu'un va manger cette viande-là, il va être passible d'un chiyuv karet, passible de retranchement. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il a invalidé en pensant chutz lizmano. D'accord? Au-delà du temps prévu. Idem, si toutefois le Kohen qui a réceptionné le sang, il s'est dit je jetterai le sang ce soir, je vais rester avec le mazrek dans la main, et après le coucher du soleil je le verserai. Non, tu
peux le verser dans la journée, tu n'as pas le droit de le verser durant la nuit qui suit. Et idem encore pour tout Corban, si c'est un shlamim, on a deux jours une nuit pour le consommer, il a dit je vais le consommer pendant deux jours de nuit. D'accord, on a compris le principe? Compris le principe, c'est clair? Donc on a introduit pour le moment deux points très importants. Les quatre avodot, shkita kabbalah ola chazrika, et la singularité du chutz lizmano, au-delà du temps permis, à la différence de tous les autres psaules que l'on pourrait faire, toutes les autres causes d'invalidation, d'invalidité plutôt, telles que chez l'olishmo, le penser à un autre korban, j'égorge un korban khatat en pensant que c'est un hacham. Ouais, donc maintenant on avait appris que le korban est devenu inapte à la consommation, on ne pourra plus la porter, même ben celui qui va manger sa chair ne sera pas passible de karet. Le karet, le retranchement, c'est uniquement pour celui qui mange un korban qui a été fait chutz lizmano, c'est clair. Alors maintenant, on va utiliser ces deux notions-là et on va les mélanger pour déduire toutes les halakhot qui vont être écrites dans cette Mishnah, qui paraît très longue, mais en fait qui est très simple, une fois qu'on a compris ces deux principes. Le but de la Mishnah, ça se rapporte par rapport à la dernière phrase de la Mishnah précédente, où on avait appris « Obilvad sheikrav amadir kemitzvato ». Il y a une condition pour être passible d'un chayav karet. Lorsque l'on apporte un korban chez Michutz Lesmano, on est passible karet uniquement si le seul problème de ce korban, c'est qu'on l'a fait chutz lizmano. On a pensé à le faire sortir des limites de temps prévues par la Torah. Mais si on a eu deux intentions, on a pensé qu'on allait le faire chutz lizmano, mais on a pensé aussi qu'on égorge aussi un khatat, l'eshem, l'eshem, l'eshem hacham. Ou encore, on a pensé chutz lizmano ve chutz limkomo. Je le mangerai, disons, on va parler concrètement. Pendant que j'ai gorgé mon korban, Pessah, je l'ai gorgé en pensant que j'allais, d'une part, manger le reste de la viande le lendemain matin, mais même aussi le surlendemain, bon, et j'allais le prendre chutz d'Yerushalayim. Je vais le sortir des murailles de Yerushalayim, alors que je n'avais pas le droit. Donc j'ai eu une double mauvaise intention. Une intention de chutz lizmano au-delà du temps permis, et chutz limkomo au-delà des limites géographiques permises. D'accord? Puisque là j'ai eu aussi l'intention de le faire chutz limkomo, donc il a été invalidé avec une autre cause en plus du problème du temps, dans ce cas-là, il n'y aura plus de chiyuv karet. Un tout petit dernier shlav, maintenant un dernier petit pas, et après on rentre dans la Mishnah, c'est d'expliquer que tout simplement, même si j'ai maintenant égorgé le korban en pensant chutz lizmano, mais après j'ai réceptionné le sang en pensant que j'allais verser le sang, chutz limkomo. J'allais le prendre pour aller l'amener en dehors de la Hazara. D'accord? En dehors du Beth Amikdash, par exemple. Eh ben, ça marche aussi pour faire que le Korban n'est plus pigoul. Il est plus pigoul étant donné que j'ai une double intention. C'est-à-dire, là, je te rajoutais que la double intention qui va invalider, qui va dire que le Korban n'est plus un pigoul, elle peut même être réalisée avec une intention dans une des Avodot et une intention dans une autre Avoda. C'est clair? J'espère que oui. Et bien, si vous avez compris ça, maintenant, on peut faire toute cette Mishnah en 40 secondes exactement. On va prendre quand même 3-4 minutes pour tout répéter. Bezrat Hashem. Keitzad kara va matir ke mitzvato. Comment est la situation où le matir, la avoda qui va faire qu'on s'acquitte du devoir d'apporter le korban, a été offert ke mitzvato, comme sa mitzvah l'implique. Ça se rapporte à la dernière phrase de la Mishnah précédente. Donc, qu'on n'a pas pris que le matir, c'est-à-dire de faire que le sang, il a été offert, kemitzvato, comment il est le cas? Alors, la Mishnah nous précise. Shachat bishtika. Il a égorgé avec aucune mauvaise intention. Au début, il faisait son korban pessah, il va le manger ce soir. Ouais, après le bibihilo, il va là-bas, il va manger le korban pessah. Mais après, kibel, veilech, mezarak, rutsizmano. Il a réceptionné le sang. Ou encore, il a apporté le sang. Ou encore, il a versé le sang sur le misbéach, en pensant qu'une de ses avodotes, elle était chutz lizmano. D'accord? Donc, le seul problème qui s'est posé dans ce korban était un problème de chutz lizmano. Ou encore une autre situation. Oh, shechachat chutz lizmano. Bien, depuis la première avoda, c'est quand il a gorgé, il a fait chutz lizmano. Mais après, il a voulu rectifier le tir en disant que non, je vais quand même le faire bizmano. Aval kibel veler mezarak bishtika. Ou encore un autre cas, c'est qu'il a tout fait, sans faute, il a tout fait,
tout en faute, mais en pensant tout chus lizmano. Comment? Ou bien encore, oh, sheshachat, vekibel, veilech, vezarak chus lizmano. Il a égorgé, puis après il a réceptionné le sang, et puis après il a apporté le sang, et après il a versé le sang, et tout ça c'était chus lizmano. Il a fait toutes sa avodot en pensant qu'il le faisait en dehors du temps permis. C'est-à-dire qu'il allait finalement le faire à un moment où ça allait devenir interdit. Il allait dépasser les limites du temps. Donc par exemple, pour rester sur le cas du Corban Pessah, il a fait une de ces quatre avodotes, ou même ces quatre avodotes-là, ou même s'il a fait la première avoda comme il se doit, mais pas les dernières, il les a faites. En tout cas, il y a eu dans tout cela, il y a eu au moins une fois où il a eu une intention de le faire, Chutz Lizmano, au-delà du temps permis. Alors, la Mishnah nous dit, Zehu Shekarav Hamatir Kemitzvato. Tel est le cas que je t'apprenais, ou je t'ai dit que je t'ai fait, ou je te disais que, dans la Mishnah présente, que le Corban il est devenu pigoul, parce que Karav Hamatir Kemitzvato. La avoda qui est censée permettre le Corban, elle a été accomplie Kemitzvato, comme ça la Torah impose de le faire. Avec le seul problème, c'est d'avoir fait Chutz Lizmano. À la différence du cas où Ketzad Lo Karav Hamatir Kemitzvato, par contre, comment se présente le cas où le matir, la avoda qui permet, qui est censé permettre le korban, n'a pas été faite kemitzvato, et qui va faire donc que le korban pigoul, on n'est plus passible d'un karet, parce qu'il va plus être pigoul en fait, parce qu'il a une double intention mauvaise. Alors il va nous dire par exemple, shachat chutzlim komo, il a commencé à égorger en pensant chutzlim komo, qui va manger la chair du korban en dehors du Yerushalayim. Mais ensuite, quand il a réceptionné le sang, ou encore lorsqu'il a apporté le sang, ou versé le sang, il s'est dit que il va même consommer le korban au-delà des limites de temps permises. Donc là, il a eu la double mauvaise intention. En dehors des limites d'espace, et en dehors des limites de temps. Il a eu la double intention mauvaise. Et c'est ce qui va faire que le korban ne va plus être un pigoul, parce que dans ce cas-là, l'okara va matir ke mitzvato. D'accord ? Jusque la Mishnah va nous retourner la situation en nous disant que soit il a commencé en pensant Chutz Lizmano après Chutz Lizmano, soit il a commencé avec Chutz Lizmano après il a continué avec Chutz Lizmano, ou encore, c'est ce que la Mishnah va nous faire, ou encore, oh, Sheshachat Chutz Lizmano, il a commencé à égorger le Korban Chutz Lizmano en pensant à le consommer en dehors du temps permis, mais ensuite, Kibel Veler Mezara Chutz Lizmano, mais quand il a réceptionné le temps, le sang, ou qu'il a apporté ou qu'il a versé sur le Mizbeach, il a pensé à le faire Chutz Lizmano, au-delà des limites d'espace permis. Ou encore, oh, Sheshachat, Kibel, Veilach, Vezarak, Chutz Lizmano, que dans les quatre avodot, il avait l'intention de le faire à la fois Chutz Lizmano et Chutz Lizmano. Bon, d'accord? Donc dans tout ça, ça s'appelle que le matir n'a pas été fait, le matir, c'est-à-dire les avodot qui sont matirot, les avodot qui, les services, les étapes qui sont censés permettre le korban, n'ont pas été faites comme la mitzvah l'implique, l'impose. D'accord ? En plus du problème de Chutz Lizmano, de penser au-delà des limites de temps, il y avait une autre mauvaise intention. Mais avant de nous conclure la Mishnah va prendre encore un autre cas aussi. Pour le moment, on a mélangé l'intention de Chutz Lizmano et Chutz Lizmano. La Mishnah maintenant va nous dire, il en va de même encore, s'il a mélangé le Chutz Lizmano au-delà des limites de temps permises, en pensant qu'il faisait ce korban-là au nom d'un autre korban, mais de telle manière que cette intention rend invalide le korban, c'est-à-dire le Pessah et le Khatat, vous le connaissez bien, depuis le premier Pérec, on va se concentrer sur le Khatat, parce que le Pessah, c'est plus compliqué, ça dépend de quel moment de l'année, donc on va se concentrer sur le Pessah, le 14 Nissan, et Khatat, toute l'année, lorsqu'il a égorgé le Khatat, il a pensé qu'il faisait un Sham, et ensuite, il a apporté le sang en pensant qu'il a apporté un sang de Khatat, Chutz Lizmano. Donc là, le korban ne va plus être pigoul. Pourquoi ? Parce que depuis le moment où tu as pensé que tu le fais en tant que hacham, tu as invalidé le korban. Après, ça n'a plus de valeur. Et idem encore, tu commences en l'égorgeant Chutz Lizmano, mais qu'après, lorsque tu vas aller verser le sang, tu vas penser que tu vas le faire tu vas le faire chez l'olishmo, au nom d'un korban hacham. Il en va de même que le korban sera invalidé. Et c'est ce que la Mishnah rallonge pour nous dire, d'accord ? Vous avez compris le principe en tout cas. A Pessah ver Khatat Shishratan Shalulishma. Ou encore, un Korban Pessah, l'après-midi du 14, ou le Korban Khatat, qu'il a égorgé Shalulishman, au nom d'un autre Korban, pas en son nom. Il pensait qu'il faisait un Sham, un Shlamim. Kibel Veilach Mezarak Chutz Lizmano. Mais ensuite, lorsqu'il a réceptionné le sang,
ou qu'il a apporté le sang, ou qu'il a versé le sang sur le Mizbeach, il a pensé à le faire au nom du Khatat, Mirchutz Lizmano, au-delà des limites de temps, qu'il allait le consommer au-delà des limites de temps permises. Ou encore, il a égorgé le Korban, Khutz Lizmano, en pensant qu'il allait le consommer au-delà des limites de temps permises, mais qu'ensuite, lorsque Kibel Vinaf Mezarak Shalishman, lorsqu'il a, il a réceptionné le sang, il a apporté au verset, et là, il s'est dit qu'il était en train de faire un korban hacham. Donc il s'est trompé aussi dans l'intention, au nom de quoi? Ou encore, qu'il a tout mélangé en même temps, qu'il a sacrifié le korban, réceptionné le sang, apporté le sang, et versé le sang, en pensant qu'il le faisait au nom d'un khatat, au nom d'un hacham, shalolishman, mais qu'il est aussi Chutz Lizmano. Dans tous ces cas-là, Zehu Shelo Karav Hamatir Kemizvato, tel est le cas où finalement les avodot qui permettent le korban, qui sont censés permettre le korban, n'ont pas été accomplis de toute façon comme il se doit, et de ce fait va faire que ce korban n'est plus devenu un pigoule sur lequel on est passible d'un karet, de retranchement. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait aussi une autre mauvaise intention, à part le problème du temps. C'est-à-dire, en fait, si je veux conclure, on va essayer de dire ça en une simple phrase. Il y a quelque chose de très singulier avec le psoul, le korban qui devient invalide à cause d'une intention de le consommer au-delà du temps. La Torah impose un chiyuv, karet, si on consomme cette chair qui a été mal offerte, mais à condition que le seul problème de ce korban, c'est que tu l'as fait chutz lizmano, que tu as un des services que tu as accompli, que tu l'as fait en pensant que tu allais consommer la viande au-delà des limites de temps permises. Peu importe si tu as pensé que à ça tout le temps, à une des avodotes, tu as pensé même une seule fois, ça va invalider le korban, d'accord? Ça va invalider le korban et ça va le rendre pigoule. Mais si en plus de cette intention-là, de le consommer chutz lizmano, il y a eu un moment où tu as eu l'intention d'invalider de toute façon le korban pour une autre raison, parce que par exemple tu pensais le consommer au-delà des limites d'espace permises, le consommer en dehors du Yerushalayim, ou encore les korbanotes qui deviennent invalides lorsqu'on les apporte chez l'Olishman, alors dans un cas pareil, puisque ton korban il n'est plus invalidé que à cause du Chutz Lizmano, mais qu'il est aussi invalidé aussi à cause du fait que de toute façon il était Chutz Limkomo ou il était chez l'Olishmo, donc ton korban maintenant, celui qui va consommer cette chair, ne va plus être passible de Chiyuv Karet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.